Bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un unboxing. Ah, vous voyez mon magnifique casque de la version collecteur de Fallout 76. Allez, on va éteindre la lumière pour économiser un peu la pile. Ah voilà, alors vous avez vu l'unboxing, on avait reçu d'après la photo, il y avait un sac en toile militaire, soi-disant, bon, bah, qui avait de l'allure sur la photo. Et ce qu'on a reçu, si vous regardez l'unboxing, c'est une espèce de sac à patates pour aller faire l'épicerie en nylon. Donc, suite aux protestations de la grosse majorité des acheteurs de l'édition collector, vu que ceux qui avaient assisté à la bêta de Fallout, qui avaient été invités, je pense que c'était aux États-Unis, avaient eu en cadeau le fameux sac, mais le vrai. Donc face au tollé général, Bethesda s'est excusé, nous avait donné 500 atomes. Et pour ceux qui voulaient le sac, un vrai, de s'inscrire avec preuve de facture, bien sûr, à l'appui. Et on avait reçu un email comme quoi c'était bien pris en compte et qu'il fallait un délai à peu près de 6 mois pour la mise en fabrication et tout. Donc bah, j'avais reçu un courrier régulièrement, c'était en bonne voie, et puis là, bah, la semaine dernière, je reçois un courrier Bethesda avec le numéro de suivi USPS. Donc ça vient des États-Unis. Alors, je l'ai reçu ce matin. Ah voilà, la taille du carton, c'est pas bien grand. Donc, je sais pas, c'est pas lourd non plus. Donc, on va voir ce que c'est que ça. Faire gaffe de pas découper non plus le sac. Voilà. Alors. Donc. Tracking. Ok. Alors ça vient de Lavergne. TN, c'est peut-être le Tennessee, je sais pas. Voilà. Donc, on va voir. Bah, c'est plus lourd que l'autre en nylon, mais voilà. Voilà. Donc, on va découvrir vraiment ce que c'est dans un plastique thermosoudé. Alors, danger de suffocation, hein, c'est pas un jouet pour les enfants, ça classique, on s'en doute. Mais bon, maintenant ils sont obligés de prévenir tout. Il y en a bien qui mettraient leur bébé dans le micro-ondes pour voir si on peut le faire sécher après le bain. Alors, voilà. Ah bah, c'est de la toile. Hein. Ok. Alors voilà le sac, les petites babioles anti-humidity, on met ça sur le côté, et voilà, mais bon, ah, alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bon, c'est la même forme que l'autre, mais au lieu d'être dans un nylon vulgaire, dirons-nous, c'est de la toile. C'est pas la grosse toile des sacs militaires que j'ai côtoyé longtemps, mais c'est quand même de la toile. Il y a une fermeture pas en métal mais en nylon, mais la boucle métallique. Alors. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir la longueur du sac. Ouais. Donc. Alors,
Bon ben, on va pouvoir mettre le casque dedans, je pense. Je ne sais pas s'il est fait pour transporter le sac, mais... Ouais, bah, regardez. Hop. Voilà. Alors, le casque va parfaitement dans le sac. Alors, on va le mettre un peu plus loin pour l'avoir entier. Voilà. Westech Warfare Fully Power. Powered. Power. Bon, bah, regardez, c'est bien cousu tout le tour. Ouais, ouais, c'est. Oh, bah, le sac est de bonne facture, quoi. Voilà, ils auraient dû mettre ça dès le départ et ça aurait empêché tout le monde de gueuler, quoi. Bon, Bethesda, ils se sont tirés de nombreuses balles dans le pied, malheureusement, mais le jeu maintenant est vraiment agréable à jouer. Moi, je vous invite à me rejoindre sur ce Fallout 76. Hein. Alors, vous avez le choix. Si vous avez un PC, rejoignez-moi sur PC. Si vous avez une One, rejoignez-moi sur One. Et si vous avez... Bah voilà. Donc, c'est les versions que j'ai. Quoi. Regardez. On va le laisser comme ça. Ça fait bien. On va rallumer la lampe. Voilà. Voilà. Le petit son d'ambiance. On peut faire des petits sons. Voilà. Bah écoutez, bah voilà. C'était en exclusivité. Bah on découvre le sac que Bethesda a fait faire pour ceux qui avaient acheté la version collector. Moi j'avais surtout acheté pour avoir le casque, puisque j'avais raté celle de Fallout 4 avec le Pip-Boy. Donc là, j'ai dit, je rate pas celle avec le casque, j'avais réussi à l'avoir, parce qu'au Québec, c'est pas facile. Et le casque est de très bonne facture, malgré ce que certains en disent, mais ça vaut bien une figurine. Mais je m'étendrai pas sur le sujet, ça peut faire mal. Voilà. Eh ben moi, écoutez, bah sur ce, après la découverte de ce sac qui, bah, moi, me satisfait, de toute façon, j'avais pas acheté le collecteur pour le sac, mais pour le casque. Mais bon, ils ont rétabli le truc, ils avaient promis qu'on en recevrait un, on le reçoit, donc je peux remercier Bethesda quand même pour le geste. Eh ben moi, je vous dis, si vous aimez la vidéo, bah, likez, partagez, commentez, je réponds à chaque commentaire. Et bah, si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît le contenu, abonnez-vous. Et moi sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, on va essayer de reprendre un petit rythme pour les vidéos. Mais bon, moi je fais ça... Comme ça, hein, pour le plaisir, moi, à mon âge, c'est pas pour prospérer. Hein. Donc, voilà. Et ben moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.